Si tu cherches des crédits FIFA 17 pas chers, je te conseille d'aller sur IGVote, 6% de réduction avec le code Robert87000 et de façon illimitée. Et si tu cherches des cartes Xbox ou PlayStation pas chers, je te conseille d'aller sur Instant Gaming, tous les liens sont dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve très rapidement au final pour Payette, le défi de Payette, et essayer de l'avoir le moins cher possible. Vous m'avez tout explosé la barre de likes, là c'est juste énorme, le nombre de vues, le nombre de likes, là je ne comprends plus rien. Merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Donc vous avez rempli votre partie du contrat, à moi de remplir la mienne. Donc on va évidemment parler du défi paillettes et essayer de l'avoir le moins cher possible. Le défi n'est pas très dur en soi, le problème c'est qu'il faut quand même 5 cartes Ultimate Scream. Donc évidemment c'est ça qui fait quand même la différence. Comme pour la vidéo de Sun, je me suis juste changé pour la vidéo parce qu'au final on est dans la continuité quelques heures plus tard, le défi de Douglas Costa, pour pas que vous me traitiez de gros sale quand même. En tout cas voilà les joueurs moi que j'ai constitué. Donc dans les buts, je vais prendre la manette quand même, ça va mieux marcher. Dans les buts, Pantémilion derrière, on va prendre comme ça Pantémilion que j'arrive à avoir à 56 500. Je vous rappelle que les prix sont sur Xbox, hein, d'accord. Donc évidemment je vous mettrai les prix également après trois autres équipes, parce que celle là au final je me suis inspiré d'une des équipes que je vais vous donner à la fin. Mais j'ai juste changé, vous allez voir, à la place que ça soit Ziyech, que je sais même pas comment, oui c'est ça Ziyech on va dire, c'était Canaloglu qui était à sa place, et au final ça passe tout à fait parfaitement. Ça prouve que ce poste là on peut très bien y mettre Boutbouze, on peut y mettre un peu n'importe quoi, et au final on arrivera quand même au 77 de collectif. Donc si vous arrivez par exemple à avoir un Boutbouze, ou que vous avez un Boutbouze dans votre club, un Canaloglu, même d'autres joueurs que vous avez dans votre club, un Anduriz, etc., si vous avez envie de vous en servir, vous pouvez très bien, ça peut être un poste un peu bâtard, le BU à cet endroit là et pouvoir vous en servir. En tout cas ça peut toujours être intéressant. Je vous donnerai également d'autres équipes pour pouvoir, si vous avez eu ces joueurs là dans les packs, pouvoir vous en servir. Là c'est l'équipe la moins chère, normalement elle est à 314 000 crédits sur Xbox, et moi j'ai réussi à faire baisser les coûts parce que Pantémilion je l'ai à 56 500 seulement, notre ami Jean-Math seulement à 400, Brit 500, Prodol 450, Oleba 650, Inan 650, Salah également 58 000, il est au minimum à 62-63 000 sur Xbox, 350 pour Odzekin, Schneider qui a 63 000 normalement que j'arrive à choper en tech 59 à 57 000, Mandzukic en tech en chair que j'arrive à choper 55 000 alors qu'il n'y en a pas un seul au-dessus de 62 000, et Ziyech à 57 500 alors que normalement il est à 62-63 000, ce qui me permet d'avoir Payette, hein, parce que je correspond à tous les critères, à seulement entre guillemets, hein, évidemment c'est quand même très cher, mais à 286 500 crédits pour notre ami Payette, alors que normalement sur l'estimation c'était 314 000. Donc avec de la tech 59, en mettant vraiment sur ces joueurs là, c'est ce que je vous conseille de faire. Choisissez votre équipe, hein, les équipes sont toujours là, j'ai toujours autant de budget, je suis toujours en couleur, voilà, les équipes sont là, elles sont toutes prêtes. Je vous les mets à la fin de la vidéo et vous avez à chaque fois le budget de chaque joueur. Essayez à chaque fois de les avoir moins chers que ce qui est indiqué, parce que évidemment c'est là où vous allez être les meilleurs. Ne tardez pas trop, je ne sais pas si les prix seront plus élevés quand les joueurs ne seront plus dans les packs, ou en tout cas que leur boost sera passé à partir de ce week-end. Est-ce que la semaine prochaine en tout début sera là où elles seront le moins cher? Je ne sais pas, ça je ne peux pas vous le garantir parce qu'elles ne seront plus dans les packs, mais elles n'auront plus le boost du week-end. Donc à voir. En tout cas moi je vais le mettre tout de suite, évidemment je vais être obligé de me constituer pour ce week-end, et je pense pour Fut Champion une équipe avec Douglas Costa, avec évidemment Sun qu'on a réussi à remporter, et évidemment maintenant notre ami Payet. En tout cas on soumet, voilà l'équipe, on l'a à 286 000, hein, j'ai dit, hein, ouais, 286 000. On peut dire bienvenue à notre ami Payet dans le club milieu réussi, et il a quand même une très grosse carte, hein, voilà, il faut pas se le cacher, 89 de passe. Les passes vont être millimétrées, hein. Les tirs 80 et 89 de dribble, et à mon avis il a des stats énormes en coup franc, ça peut être très bien. Bienvenue à lui dans notre club, voilà, il est très beau, premier détenteur, évidemment on peut pas l'avoir ailleurs, donc c'est pas assez difficile de l'avoir ailleurs. Bienvenue au club. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme celle pour le défi de Douglas Costa. N'hésitez pas à exploser la barre de like si ce type de vidéo continue à vous plaire. Je sais il n'y en a aucune contrepartie, ça sera juste si vous avez envie que j'en fasse d'autres la prochaine fois, mais si on a atteignez encore les 4000 likes, ça prouverait à quel point cette vidéo vous a plu, vous a fait plaisir, et essayez également
évidemment de le choper le plus bas possible. Moi c'est 286 000 crédits, j'espère que vous ça sera encore moins cher. N'hésitez pas à spammer en tech 59, même en tech en chair ça marche parfaitement, surtout quand il y a des packs. Là il va y avoir la nouvelle Team of the Week demain soir, évidemment là les gens packent pas mal, et donc évidemment peut-être que les prix des joueurs seront encore un peu plus bas. Là moi j'ai essayé de surfer sur les packs à 25 000 qui ont été mis par EA Sports à 19h, mais peut-être que demain avec la nouvelle Team of the Week, surtout si elle était quand même assez grosse, vous allez peut-être pouvoir l'avoir encore moins cher. Je vous mets les trois équipes tout de suite, maintenant. Moi je vous fais des bisous, c'était Robert 87 000, pensez au gros like, ciao les gars.